Oh tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochetière, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un test, un nouveau plateau qu'il y a chez mes créations de Clos. Regardez le fond du plateau, c'est un plateau quadrillé. Donc maintenant, là, sur pas mal tous les plateaux, d'après moi, là, en tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui ne doivent pas... j'ai regardé là, vite fait sur le site, là, puis... En tout cas, vraiment beaucoup, beaucoup de plateaux lorsque vous arrivez là, t'sais, vous choisissez vos couleurs. Vous avez le choix ligne standard ou mais ligne droite dans le fond ou les lignes quadrillées. Donc, moi, je l'ai essayé là. Ça, c'est le plateau X large là. J'en ai un le plus petit là, l'imitation du plateau blanc là, exemple, là, vous le voyez là. Ça, c'est le petit là, l'imitation du plateau blanc régulier. Fait que moi, j'ai vraiment pris le format X large que j'ai fait faire en blanc silk. Je me suis dit, on va y aller avec quelque chose de winner, pas de couleur, pas rien, pour me pratiquer, pour qu'on voit bien aussi. Là, donc, c'est ça, je l'ai pris blanc. Donc là, c'est un quadrillé. Avec ce plateau-là, vous ne pouvez pas vous servir de vos embouts multiples. T'sais, versus avec, comme celui-là, là, la version là, des lignes droites normales. Ben, quand vous mettez vos perles, que vous l'inclinez un peu, puis que t'sais, vous tapotez, vous secouez un petit peu, les perles vont descendre, vont faire des belles colonnes droites. À ce moment-là, vous arrivez avec votre placeur multiple, vous en ramassez 4, tout, parce que là, moi, j'ai un placeur de 4. Vous avez un placeur de 3, vous en ramassez 3, vous comprenez le principe. Vous arrivez avec votre placeur multiple, vous ramassez vos diamants, vous les mettez sur votre toile. S'ils sont bien placés dans le plateau, ils vont être bien placés sur la toile. Mais avec ici le plateau quadrillé, on ne peut pas faire ça. Je ne peux pas arriver et en prendre 4. Tu sais, regardez mon multiplaceur de 4, quand je le mets, là, je couvre 3 carreaux. Puis il y aurait des gros espaces entre chaque. Donc, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment fait pour y aller un à un. Moi, personnellement, le plateau quadrillé, je vais l'utiliser avec... beaucoup, beaucoup là, avec du diamant carré. C'est vraiment avec celui-là parce que le diamant carré, c'est rare que je vais me servir du multiplaceur. Souvent, ça, je vais y aller, je vais me ramasser. Là, oui, mettons, là, comme si j'avais une grosse zone de blanc, là, je me suis servi un peu du multiplaceur. Mais sinon, c'est rare le carré. Souvent, je suis portée, tu sais, je me mets à y aller comme un à un. Je ne sais pas pourquoi avec les diamants carrés, c'est comme ça. Versus avec les ronds, là, j'utilise vraiment beaucoup, beaucoup mon multiplaceur. Donc, c'est ça, là, ce plateau-là, là, je risque de l'utiliser beaucoup plus pour le carré. Là, c'est ça, j'en ai pris un que, tu sais, j'ai pas, tu sais, comme celui-là, exemple, là, il est tout blanc silk. Ça ici, c'est un Rainbow Custom. C'est moi qui ai choisi les couleurs. J'ai pris du blanc silk pour tout le plateau, sauf une ligne mauve dedans. Pourquoi? Pour venir faire mon fond mauve ici, le contraste. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup regarder. Exemple ici, là, c'est gris, puis c'est argent silk dans le fond. En tout cas, on voit mal avec les reflets, là, mais il y a des lignes blanches dans le fond. Là. Fait que, t'sais, moi, quand je prends mes diamants, je vois super bien. Exemple, je vais vous montrer là, celui-là ici. Des belles petites couleurs pastel. Le fond, il est mauve silk avec des lignes blanches. Quand on prend nos perles, on voit super bien. Moi, j'aime beaucoup le contraste des lignes d'une couleur et le fond d'une autre couleur. T'sais, comme c'est le cas aussi ici, regardez, j'en ai plein. Là. T'sais, il est blanc, le fond, et puis les lignes sont jaunes. Et comme ça, à caméra, on ne voit pas tant, mais pour vrai, ça fait vraiment toute la différence. Là. Moi, c'est ce que j'adore. Donc là, je ne l'avais pas fait avec celui-là. J'ai vraiment été comme avec un, le normal, un stock, parce que je testais en même temps. Donc, je veux pas, quand on y va avec un custom, c'est un petit peu plus cher, c'est normal. Mais c'est ça, là, moi, vu que c'était vraiment un test, je m'étais dit, tu sais, je verrai, là. Tu sais, si j'aime vraiment le produit, ben là, à ce moment-là, tu sais, j'en ferai peut-être faire 2, 3. Mais ça sera pas quelque chose que je vais utiliser à toutes les fois que je vais faire du dépôt, là. Tu sais, je suis tout le temps en train de sortir ces plateaux-là. Ça va rester, parce que j'utilise quand même souvent l'embout multiple. Même si je fais du carré, là, même si je suis portée à y aller un à un, là, comme cette toile-là, là, je vais l'utiliser l'embout multiple. J'ai des belles grandes zones de couleur. Regardez tout le blanc ici que j'avais, mettons. Donc là, je veux vraiment faire le test de ce plateau-là. Je vais me sortir des petits diamants. Là, j'avais pensé venir travailler dans le coin ici de la toile, dans le fond, parce que j'ai plusieurs couleurs là, à aller travailler. Là. Ça change souvent, exemple. Et là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui. Parce que j'ai quand même cachou à côté de moi. Hein? Ouais. Je pense que vous l'aviez vu. Il fait de dos, il dort dur. Ça se peut que vous l'entendiez ronfler. Là, il vient d'ouvrir un petit peu les yeux. Hein, mon bébé? Oui, tu fais des gros de dos. T'as dit, c'est pas drôle.
C'est ça. J'ai un peu de misère ces temps-ci, pour vrai, à faire du DP. Il est tout le temps que je suis sur mon bureau ou en tout cas faire des vidéos dans mes journées de congé. Là, dehors, c'est ça. On a quand même souvent de la pluie cette année aussi. Ça aide pas. Ils ventent beaucoup. Puis moi, quand ils ventent beaucoup avec mes toiles et tout, là, dehors, c'est pas l'idéal. J'ose pas les ouvrir. Je voudrais pas qu'ils crochettent. Je voudrais pas que le vent pogne dedans. Je voudrais pas ça, tu sais, que ça les brise. Fait que. Un petit peu de misère cet été avec mes vidéos, mettons. La question, un œil un peu ouvert, puis ouais, écoute qu'est-ce que je dis, il est attentif. Des petites choses que je peux dire vite vite sur Dreamer Design. J'ai beaucoup de diamants à trier dans mon blanc. Pour vrai, là, mon blanc, là, c'est du blanc AB, là. J'ai eu plein de diamants blancs, normal. Okay, tu sais. Je le faisais le soir, puis là, maintenant, je check comme faut. On dirait que celui-là, il n'est pas pareil. Je check comme faut, là. J'en ai comme réenlevé comme 3-4 dans mon. Que j'avais pas vu passer. Tu sais, ça chaîne. Oui, on la voit la différence. Mais je vous dirais que rendu à 10h le soir, en même temps qu'écouter Dr. House, je la voyais pas trop la différence. Fait que j'en ai laissé passer une couple, là, je me suis comme rendu compte de ça. Après, je. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Je le voyais, tu sais, quand je l'ai comme tassé avec le reflet de ma grosse lampe et tout, mon éclairage le soir, on dirait que ça reflétait comme tellement, je l'avais comme pas vu, là. Quand j'ai vu ça après, j'étais comme, ben non, voyons donc. J'ai fermé ma lumière tout de suite, ting, 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 je vois ça, oh, prends la pince, enlève ça. Là, j'ai fait attention quand j'en mettais dans mon plateau, tu sais, je regardais, là, je m'enlevais comme dans l'angle de ma lumière, là, oh, je les prenais avec mon crayon, je les enlevais. Sérieux, pour faire la zone du haut, là, ma toile, c'est 30 cm, mettons, de large, là. Si vous voyez, là, la grosse bande qu'il y a ici, mettons, pour faire tout ça. J'ai trié, là, j'ai mis de côté, j'en ai jeté peut-être une quinzaine de diamants blancs, là, qui avaient comme pas rapport. Fait que, tu sais, je trouve que le ratio, il y en a quand même un peu. Il y en a quand même un peu, fait que, tu sais, c'est sûr. À date, là, ça, c'est un petit bémol un peu que j'ai, que je trouve un petit peu plate, que je m'attendais pas. Tu sais, je viens de me clencher du Diamond All Plum, ça a tellement bien été. Regardez ça, comment ça se brasse super facilement. J'ai presque pas brassé. Sont, tu sais, sont déjà placés dans les carreaux, tout. On voit où ce qu'ils sont, les diamants. C'est vraiment, là, en tout cas, ça m'a l'air assez winner. J'ai pas vraiment fait de test. Tout ce que j'avais fait comme test, c'est que j'avais mis des perles dedans. Je les ai reversées dans ma bouteille. Puis je me suis dit, comment ça se verse? Tu sais, je verse-tu normalement? Y a-tu une manière qui va aller mieux que les autres? Tu sais, je savais pas trop. Puis je m'étais dit, faire ça pour la première fois en vidéo, si ça revole partout. Puis tout, j'étais comme, oh my god. On va l'essayer au moins une fois, voir qu'est-ce que ça a de l'air. Tu sais. Prévenir au pire, tu sais, dire, bon, ben, ça se peut que vous ayez de la misère ou de quoi, tu sais, moi au début. T'sais, je m'étais dit, on va l'essayer une fois au lieu de rire tous ensemble. Finalement, ça a super bien été, là. Mais c'est ça, j'avais comme triché, je l'avais juste essayé comme une shot. Fait que là, question, vous voyez bien, je vais essayer de mettre le plateau là. Là, je travaille comme pas comme d'habitude, là. Habituellement, j'ai le plateau comme en avant de moi. Là, je suis un peu pognée sur le côté de. Sur le bout de mon bureau, là. C'est ça. J'ai pas accès à la même place que j'ai d'habitude. Hein? Ah, il dort dur. Il dort vraiment dur. Donc là, je me suis dit, je vais juste avancer un petit bout de toile. On va le tester. On va voir qu'est-ce que ça a de l'air. Là, c'est sûr, j'ai pas mis beaucoup de perles. Je vais faire un autre test aussi que je vais mettre beaucoup de perles dedans. Question que vous puissiez voir là. Ce que je voulais montrer aussi, c'est quand on les reverse dedans. Je suis sûre qu'il y en a qui doivent avoir comme peur un peu de ça. Moi, c'est sûr, je fonctionne avec les mallettes. Je fonctionne avec les petits pots. Il y en a qui vont fonctionner avec des genre de boîte à tic-tac, il y en a qui vont fonctionner avec des petits organisateurs en plastique. Honnêtement, j'ai pas testé tout ce que j'ai fait. J'ai mis des perles dedans. Après ça, je les ai reversées dans mon pot, là. Donc là, je vais juste cacher au cas où qu'il en vole. Je l'ai incliné. Quand on l'incline, il en tombe un petit peu. J'ai comme gossé un petit peu dedans. J'ai tapoté un petit peu en arrière. Pas trop fort non plus. Parce que si on y va trop fort, regardez, là, il y en a un qui a tombé comme plus loin. C'est sûr que ça se verse quand même bien, pour vrai. Mais c'est ça. Moi, j'ai comme peur. Je suis tout le temps portée à tapoter un peu trop. L'inclinaison est pas super. Fait que j'en ai une, deux, trois qui ont volé. J'en ai perdu trois diamants. C'est pas si pire sur la quantité que j'avais. Là, on va faire un test. Mettons qu'on en met beaucoup dedans. Tu sais, la vidéo, je la faisais pas vraiment une vidéo vlog.
T'sais, mon but n'était pas d'avancer ma toile énormément aujourd'hui. C'était vraiment tester le plateau. Je vous le dis, c'est ça. S'il y en a qui pensent voir une avancée sur la toile de quoi, c'était pas vraiment. Oui, je l'intitulais un peu c'est vlog là, parce qu'on parle pas genre jase, là, mais pour vrai, c'est ça, c'est pas un vlog comme d'habitude. Je veux juste faire comme des tests avec le plateau, vous le montrer parce que je suis sûre que comme moi, il y en a plusieurs qui ont hésité. Je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui ont foncé, qui ont dit ok, moi je le veux. Ah ouais, let's go, je l'essaye, qui se sont fait faire, mettons une commande, j'en ai vu passer. Là, tu sais, les gens vont prendre des photos, vont les partager, qu'est-ce qu'ils commandent, quelqu'un qui les reçoivent et tout. C'est super, ça donne une bonne idée aux autres, ça donne des idées, des fois, des couleurs aussi. Des gens qui hésitaient, ben là, des fois, c'est ça, ça leur montre là. C'est bien beau une photo, mettons, sur le site. C'est pas pareil qu'en vrai, quand on le pose, mettons, sur notre table et tout, de voir les grosseurs. Donc, c'est ça. Je sais que ça aide vraiment beaucoup de gens. C'est super. Puis, c'est ça, j'ai remarqué, il y en a qui ont comme ils ont passé des commandes. Mettons, ils ont commandé 5-6 plateaux ligne quadrillée. Mais, tu sais, ils l'ont comme pas essayé. Moi, c'est pour ça que j'en ai commandé un. J'étais comme sceptique. Oui, Claudie a fait un test. Elle a fait une vidéo, tu sais, une petite vidéo qu'elle testait, elle montrait et tout. Mais en même temps, c'est comme les cires. Il n'y a pas personne qui travaille avec les mêmes choses. Il y en a qui vont dire la gommette rose, ça va donc bien. Il y en a d'autres qui vont la pitcher au bas de le bras, qui ne veulent rien savoir, qui l'ont, puis tout de suite, ils la jettent, façon de parler. Tu sais, il n'y a personne qui travaille de la même façon. Donc, c'est pour ça que je me disais, ça va-tu marcher avec moi? Je vais-tu avoir le tour? Je vais-tu faire gaffe après gaffe? Je vais-tu faire comme ok, non, j'aime vraiment pas ça. Je le savais vraiment pas. Donc, je me suis dit, je vais attendre. J'avais des choses à commander. Puis, je l'avais comme laissé dans mon panier. Puis, je m'étais dit, tu sais, quand j'aurai des choses à commander et tout, mais tu sais, je l'inclurai. Puis, je ferai le test. Donc, tu sais, je sais qu'il y a quand même sûrement certaines personnes qui, peut-être, c'est ça, hésitent et tout. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, why not? On en commande un, on fait une petite vidéo, on le teste, on en met un petit peu, on voit comment ça se travaille. À date, là, pour vrai, quand on met les perles dedans, qu'on brasse, ça, là, cette partie-là, là, moi, j'adore. J'adore le fait que ça va tout se répartir, que ça va tout se placer à leur place, dans le quadrillé. On n'a pas besoin de shaker beaucoup, versus on s'en va là-dedans, là, on peut shaker quand même pas mal là, pour que ça s'étende. Là. Bon, ils s'en vont tout d'un bord, on shake un peu de l'autre bord. Pour essayer, tu sais, d'en avoir le plus possible, c'est plus long, c'est plus de gossage. Versus dans ça, je trouve que le placement se fait beaucoup plus rapidement. Le seul petit bémol, mais c'est pas un bémol dans le fond, c'est moi. Il va falloir que je m'habitue à les reverser dans mes pots. T'sais, là, il y en a revolé 3. c'est pas si pire, vous me direz. Il y en a juste 3. Mais c'est ça, il va falloir que je me pratique un petit peu plus. Versus avec ça, ben, t'sais, je m'en vais, je m'enligne, puis ça y va. Ce que j'aime beaucoup de ces plateaux-là, c'est au niveau de la sortie, de la façon que c'est fait. Ici, c'est fait en biseau. Le côté est quand même assez haut. Versus les petits plateaux blancs qu'on nous donne, les rebords sont vraiment pas hauts. Et ceux qui sont faits à l'imprimante 3D, ils sont pas mal plus hauts, les côtés. Fait que ça va beaucoup mieux pour s'enligner vers la sortie. Puis regardez, le bec là, de celui-là ici, il est droit. Versus celui-là ici, je sais pas si on voit pas bien pantoute. Là. Moi, je checkais pas pantoute qu'est-ce que je montrais. Là. Je checkais mon plateau. Bon, là, je vois là, qu'est-ce que je fais à la caméra. Bon! On va arrêter de niaiser. Hein? Ici, vous voyez, qu'est-ce que je dis? C'est droit. Versus ici, c'est en angle. Moi, ce que j'aime beaucoup des plateaux X-Large, c'est le fait que ce soit en angle. Fouillez-moi pourquoi, mais je trouve que ça se verse beaucoup mieux justement dans les pots. On dirait que ça lui donne comme, je sais pas. Moi, je trouve que ça va mieux que, tu sais, que les autres. J'aime le fait que ça se termine en angle. Je trouve que ça se verse bien. Donc, le fait ici que celui-là aussi se termine en angle avec mon cadrier, je vais m'habituer. C'est juste moi au début, c'est ça. Je portais à donner des coups, à donner des trop gros coups. Fait que là, il y a trop un angle. Fait que là, s'il y a trop un angle, ben, tu sais, il passe par-dessus. C'est normal. C'est juste moi, c'est ça qui n'est pas trop le tour. Bon, là, on va prendre, tiens, cette couleur-là ici. Je veux en mettre une bonne quantité. Mettons, il y en a là, qui arrivent, là. Il y en a mettre des diamants dans le plateau. Ils en ont besoin juste de 4. C'est pas grave, il y en a mettre. Je veux juste voir qu'est-ce que ça fait. Mettons là, qu'on en met beaucoup. Parce que à longue de faire du diamond painting, je veux pas. Moi, je gauge qu'est-ce que je mets dedans. Si je veux me servir d'un placeur multiple, je mettrai pas trop une grosse quantité, pas trop peu non plus. Juste une bonne quantité que je peux. J'en aurai pas trop de pognées justement de même sur le côté. Je vais être capable d'avoir quand même une coupe de lignes, être capable d'en faire un peu. Et non, OK, j'ai 3 lignes. Tu sais, je me sers 4 fois de mon embout multiple. Après ça, je rebrasse, je me refais des lignes. Tu sais, c'était tout le temps en train de niaiser avec ton plateau. C'est pas plus d'avance de prendre l'embout multiple. Donc,
Ça, c'est ça. Moi, je gauge un peu avec mes quantités. Puis, ça, c'est ça. Il en reste tout le temps là, des résidus. C'est ça, un tapon. Quand j'en mets trop, là, c'est ça. Il en reste comme beaucoup comme ça. Mais mettons que j'aurais une méga grosse zone à faire, mais ça se peut que j'y aille, tu sais, généreux au début. Je vais rebrasser deux, trois fois. Mettons, puis là, maintenant, c'est ça. Mais tu sais, je vais avoir avancé beaucoup. Je ne sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, mais c'est ça. Je gauge, tu sais, je vois vraiment là, j'en mets pas trop. Si j'ai juste une petite zone à faire, ben, je vais en mettre un peu dans le centre du plateau, je vais brasser un peu, puis je vais y aller comme un à un. Si j'ai une bonne grosse zone, ben là, je me mets une plus grosse quantité, j'essaie de me faire des lignes, des choses comme ça. Tu sais, c'est ça, j'y vois vraiment là, je mesure un peu la quantité que je mets. Tu sais, si j'en ai pas besoin de beaucoup, que j'ai pas besoin de mon placeur multiple, je m'en mettrai pas une grosse quantité comme ça. Après ça, ça en refait beaucoup à mettre dedans. Donc, plus qu'il y en a à remettre dedans, mais plus qu'il y a des chances qu'il en revole. Donc, tu sais, c'est ça. C'est des petites choses, moi, qu'à la longue, là, c'est, on dirait que ça se fait comme tout seul. Là. Je suis comme, à cette heure, je fais tout le temps ça. Donc, je vais vous montrer là, de proche ici. Là, j'en ai quand même pas mal dans mon plateau. Donc, tu sais, ça s'est placé super rapidement. Là, maintenant, là, j'en ai gros. Là, je veux les remettre dedans. Fait que là, j'ai comme pas trop tapoté. J'ai juste comme le surplus qui était sur le côté. Fait qu'est-ce qui est dans le fond est comme bien resté là. Là, qu'est-ce que, juste en faisant ça, est-ce que j'en ai échappé? Oui, une, deux. J'en aurais échappé deux. J'en vois pas d'autres. Non. Bon, quand même pas si pire, pas si pire. Maintenant, là, des reversés. Je vais donner juste des petits coups comme ça. Il y en a quand même beaucoup dedans, là, on s'entend. À ce moment-là, je crois que ça me prendrait peut-être une entonnoir. Là, je me sers de mes doigts. Peut-être les envoyer sur le côté. Puis après ça, les glisser. Bon, il en reste un ici. C'est peut-être tout ce que j'étais allée piquer tantôt la colle, ça se peut. Puis j'ai laissé de la colle. J'ai-tu de la cire? Non, juste comme lui, ça ne tente pas de coopérer aujourd'hui. C'est ça. Lui, il décide que il reste là. Ici, mon coquin. Hey! La voyant d'or. Il est fusionné là. Qu'est-ce que c'est ça? OK, non, je sais pas. Il y avait de la statique, puis il a décidé de... Ouais. Petit coquin, va. Bon, on va compter. Je suis curieuse de voir, j'en ai un autre là. Fait qu'avec tout mon fond plein, mettons que j'échappe mon pot dedans. Qu'est-ce qui a tombé à côté puis qui est sorti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diamants. Je pèse bien fort avec mon doigt les 12 one shot dans mon pot. Et voilà. Merci, bonsoir. Fait que sérieux, là, c'est quand même pas pire. Ce que je vais me pratiquer à faire, là, on va essayer d'avoir le tour un peu. Mettons que je m'en remets une petite quantité dedans. Là. On va en refaire les tests. Bon. Là, je mettais jamais. Bon, OK, il me reste ça. Si je m'en viens un peu en angle, mais sur le côté avant, pour essayer comme des envoyer sur mon rebord. Puis qu'après ça, je m'en viens comme les faire glisser. Est-ce que j'en envoie moins sur le côté? Pas tant. J'en ai quoi? 1, 2, 3, 4. C'est ça, j'en ai 4 de tomber. Mais tu sais, ça n'a pas d'importance, mettons, des envoyer sur le côté. Ou c'est vraiment là de s'habituer. Là. Regardez, là, je les ai faites comme un peu sauter sur place sur le plateau. Ils sont toutes venues se placer ici. Je les tiens. Après ça, tout. C'est peut-être un truc, ça, dans le fond. Au lieu d'aller essayer de pencher tout de suite puis d'aller vider le surplus, mettez votre main, bouchez ici l'embout. Essayez juste de taper. Ils vont comme se ramasser ici, puis vis-à-vis l'embout, puis après ça, venir les vider. D'après moi, ça peut être peut-être quelque chose de pas pire. Là, on fait des tests. Là, hein? On niaise, on fait des tests. On va la trouver, la truc, à un moment donné. Mais je pense qu'à date, là, pour vrai, là, c'est ça qui est de baisse. Avant de s'enligner sur le pot, essayez juste de décoller vos diamants du quadrillé. Regardez, on met sa main comme ça, là. Après ça, de venir les mettre. Je pense que c'est ce qui est le plus winner. Il n'y en a aucun qui est tombé. Il y en a un ici, là, mais ça, c'était de tantôt, dans le fond. Je l'avais sûrement juste pas vu. Parce qu'il n'y a rien qui tombe en mettant ma main. Fait que je pense qu'on a trouvé vraiment la meilleure manière de vider là, carrément là, le plateau. Je crois, là. Voyez-vous, Cachou? Il rêve. Il fait ça des fois. Il dort vraiment dur, là. Il me fait tellement rire. Hein? Il rêve. Donc, vous avez vu en direct. Cachou, il fait des rêves. Hein, mon bébé? Ouais.
Il rêve qu'il court. Hein, mon chat, tu rêves que tu cours dehors dans pelouse. Donc, lui, il aime la gravelle. Je m'en allais dire la garnotte. La gravelle, du gravier, là, des petites roches à terre, là, lui, il tripe. J'ai une cour en gravelle chez moi. Là, et puis, quand je le sors en attelage, la première affaire qu'il fait, lui, c'est de s'en aller dans la gravelle, d'aller se rouler dans la gravelle. Il va comme ça gratter puis se parfumer. Ouais, parfum garnotte. Là, ouais, moi, je niaise bien gros avec ça. Là. Donc, je pense qu'on a trouvé vraiment la meilleure manière. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vais fonctionner. Tu sais, on est tellement habitué avec les autres plateaux de venir s'aligner, de venir tout de suite verser. Je pense que vraiment, c'est ce que je vais adopter comme façon. Je vais mettre mes perles après ça. Je mets ma main comme ça ici. Tu sais, j'accote vraiment là, dans le fond de ma main comme ça. Puis avec ma paume de main, je m'en viens vraiment là. Tu sais, j'épouse là, l'angle ici. Puis tu sais, j'accote mon index là. Fait que tu sais, je veux pas regarder par en dedans là. C'est vraiment à côté dans ma main. En faisant ça comme ça, pendant faire ça, c'est niaiseux, là. Mais tu sais, vous l'avez vu, ça s'est tout décollé, ça s'est ramassé ici. Puis c'était stoppé avec ma main. Juste la hauteur de mon doigt, s'il y en a qui veulent comme passer par-dessus, tu sais, ils revolent sur mon doigt, tout. Après ça, ils vont redescendre là. Tu sais, juste en venant se mettre comme ça, je pense, là. Tu sais, ça serait de venir sortir ça, on les ramasse là. Après, on vient les mettre dans le plateau. Moi, je pense vraiment, là, que ça serait. Je pense que ça va être ça, là. Ma technique là, la plus winner là, pour en mettre le moins possible là, à côté. Là, parce que j'aime beaucoup le placement, j'aime beaucoup ça l'utiliser. Faut juste que je réussisse façon de parler à dompter la bête. Puis qu'il faut que je réussisse à reverser dans mon pot sans en foutre partout. Parce que là, tu sais, ça marche pas. Si à toutes les fois j'enlève mon cover mender, je remets ma pellicule au cas où qui envole et tout. No. Pas content. De rencontrer un chat dans tes rêves, mon chat. L'avez-vous entendu chialer? Hein? Il t'a dit, petit caractère. Même dans ses rêves, il bougonne. Pas drôle. Sur ce, c'est approuvé. Sérieux, le plateau avec ligne quadrillée, j'aime bien. Je vais sûrement m'en refaire là, deux autres là, dans ma prochaine commande avec des lignes d'une autre couleur. Question que ça y aille mieux. Je m'en ferai pas autant que mes autres plateaux. Ces plateaux-là ici, là, j'en ai vraiment beaucoup. Je les utilise super souvent. Mais ceux-là, je vais m'en faire comme deux, trois. Ça va être vraiment avec des carrés que je vais plus l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser avec des ronds. C'est juste moi, personnellement, j'aime beaucoup le principe avec des carrés. Je l'ai testé aussi avec des ronds. C'est la même affaire. Ça se place super bien dedans. Mais moi, j'adore pour le carré. Il est vraiment droit, ton carré. Il rentre super bien, là. Sérieux, le placement dedans, là, moi, j'adore ça. Puis, je pense que ça peut nous aider justement avec le carré parce que ton petit carré, il est droit. Tu sais, veux, veux pas avec ta ligne, des fois, il est un petit peu en diagonale. Fait que si tu le prends un petit peu en diagonale, tu le mets un petit peu en diagonale, après, tu vas être là avec ta pince. Tu vas aller niaiser, essayer de le replacer, tu sais. Versus là, il est bien droit. T'es en ligne, tu sais, ton quadrillé avec ton plateau, tu prends ton diamant, il est bien droit. Je pense que vraiment, là, pour du diamant carré, là, ça va devenir là, mon nouvel ami. Là, souvent, là, il va souvent être pas loin sur le bureau. Fait que c'est pour ça je pense que ça vaudrait peut-être la peine que, tu sais, moi, j'aime le principe, justement, tu sais, des lignes d'une autre couleur, là, question qu'on voit bien les diamants. Fait que je pense que je vais m'en faire, là, sûrement deux autres, là. Trois, là, je pense que je vais être pas pire. Versus les autres, je dois en avoir 10, puis j'en commanderai encore. Et puis aussi, je veux vous dire, vous avez toujours mon code Marilyn15 qui fonctionne auprès du site lescréationsdeclos.com. Si jamais, là, justement, vous avez fait comme « Ah, finalement, ok, ouais, je vais essayer ça, le plateau et tout. » Donc, ça vous enlève 15% de rabais. Mais ça, c'est les taxes, hein, ça vaut la peine. Donc, ça vous diminue le prix. C'est valide à l'année, c'est tout le temps valide. Donc, vous l'entrez quand vous arrivez, vous mettez vos articles dans le panier. Quand vous arrivez, passez votre commande et tout, vous pouvez rentrer un bon de réduction. Vous rentrez Marilyn 15 et puis c'est ça. Ça va vous donner 15% de rabais. Fait que, tandis que ça, c'est valide, ça fonctionne, utilisez-le. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez l'utiliser à toutes les fois que vous commandez. Hein? Qu'est-ce que vous pensez que je fais, moi, quand je passe mes commandes? Je rentre mon bon de réduction. Sur ce, je veux dire un énorme merci à Claudie et Tommy. J'aime vraiment beaucoup vos produits. Pour vrai, j'aime vraiment beaucoup les plateaux. Puis ça, là, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je risque là, d'en faire là, deux autres quand même assez rapidement. Je pense que j'en avais déjà monté un autre là, avec des couleurs. Là. Je m'étais fait là, un rainbow de couleurs là, personnalisé.
Je pense que j'en ai déjà un dans mon panier. J'ai 2-3 petites affaires, là. Donc, sûrement, peut-être un petit unboxing bientôt des créations de Claude. Ça se pourrait, là. Il y a 2-3 autres petites affaires, là, qui me travaillent, là. Donc, sur ce, je veux vous dire un énorme merci encore une fois d'écouter mes vidéos. Écoutez, on se dit à très, très, très bientôt. Bye, bye!